Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours avec la préparation des cours à distance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une leçon de préparation à l'écrit. Mais avant de commencer, je vous rappelle tout d'abord le thème de projet numéro 3. Produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Et la première séquence s'intitule « Protégeons la nature ». C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent, permettent de vivre. Le terme environnement est utilisé pour désigner le contexte écologique global, c'est-à-dire la faune, la flore, l'eau, la terre et l'air. On dit que l'environnement est notre poumon avec... Mais notre environnement est fragile. Il est dégradé par les activités humaines et par plusieurs phénomènes. Passons maintenant à la première activité. Consigne, classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. L'organisation des journées de nettoyage des forêts, la pêche intensive des animaux de la forêt, la déforestation, aménager des espaces verts et des jardins publics, jeter des morceaux de verre dans la forêt, le reboisement, le fumer des voitures et des usines. Dans cette activité, nous allons découvrir les gestes négatifs qui nuisent à la nature, dont l'homme est le premier responsable, et nous découvrirons également des gestes simples qui contribuent à la protection de l'environnement. Donc, nous allons classer les expressions dans le tableau ci-dessous. Et comme vous voyez, ce tableau est divisé en deux colonnes. La première colonne est consacrée pour les gestes qui représentent une menace pour l'environnement. Et la deuxième colonne pour la protection et la sauvegarde de l'environnement.
nous avons l'organisation des journées de nettoyage des forêts. On classe cette expression dans la deuxième colonne car il s'agit d'un geste écologique et bénéfique pour l'environnement. La pêche intensive des animaux de la forêt représente une menace pour l'environnement car elle met en péril l'existence de nombreuses espèces animales telles que les tigres et les éléphants. On dit la pêche intensive ou bien le braconnage ou bien la pêche illégale. La déforestation, c'est l'action de couper les arbres ou bien de détruire les forêts. Ce geste représente une menace pour l'environnement. L'expression suivante, jeter des morceaux de verre dans la forêt. D'après vous, ce comportement est-il bénéfique pour l'environnement? La réponse est la suivante, non, ce comportement nuit à la nature. Il provoque la pollution, donc il représente une menace pour l'environnement. Aménager des espaces verts et des jardins publics, c'est un geste positif qui contribue à la sauvegarde de l'environnement, car il améliore la qualité de l'air et offre aux habitants un cadre de détente sain et agréable. Donc, on classe cette expression dans la deuxième colonne. Passons maintenant à l'expression avant la dernière. Nous avons le mot « reboisement ». Nous avons déjà vu ce terme, donc il s'agit d'une activité très utile aux êtres vivants. Il contribue à la sauvegarde de notre environnement, donc on met cette expression dans la deuxième colonne. Finalement, si je vous pose la question suivante, quelle est la cause de la pollution de l'air? Certainement, la réponse sera les fumées des voitures et des usines. Donc, les fumées des voitures et des usines provoquent la pollution de l'air et elles représentent une menace pour l'environnement. Activité 2, consigne, lis le texte puis réponds aux questions. Donc, dans cette activité, on va essayer ensemble de lire ce texte et de le comprendre à travers des questions de compréhension. Suivez bien. La biodiversité est une ressource précieuse pour l'homme. Il doit la préserver, d'abord parce qu'elle est indispensable aux équilibres naturels si l'on extermine certains oiseaux, les insectes, pullulent. De plus, la biodiversité est l'avenir de l'alimentation. En effet, la nature renferme des quantités d'espèces comestibles qui sont les cousines sauvages des plantes cultivées. Elles résistent mieux aux insectes et aux maladies, il faut donc les conserver par prudence. La biodiversité sert aussi à la médecine. Près de 60% des médicaments que nous consommons sont tissés de plantes. Si l'on détruit des plantes encore inconnues, on détruit les substances utiles qu'elles contiennent. Par ailleurs, les animaux et les plantes sont une source de loisirs. Sans doute aimes-tu les observer, les dessiner? En conclusion, il faut préserver la biodiversité car elle est indispensable pour l'homme dans les domaines de l'alimentation, de la santé et des loisirs. D'après Isabelle Masson, l'écologie, agir pour la planète, édition Milan 2000.
la présente diapositive, on va essayer de répondre ensemble à quelques questions autour du texte. Il est à signaler que nous sommes toujours dans l'explication à visée argumentative. Et lorsqu'on dit argumenter, c'est-à-dire chercher à convaincre un destinataire ou bien d'adopter le point de vue qu'on défend sur un sujet ou bien un thème donné. Le texte argumentatif sert à convaincre. Dans ce type de texte, l'auteur commence par donner son point de vue ou bien de prendre position sur un sujet ou bien un thème. Il expose sa thèse. Dans ce contexte, le point de vue défendu est une thèse. Pour justifier sa thèse, l'auteur doit donner des raisons. Pour cela, il s'appuie sur des arguments. Afin de rendre ses arguments plus forts, il les fait suivre par des exemples concrets ou bien par des explications. Les arguments choisis mènent à une conclusion dans laquelle l'auteur réaffirme sa thèse. Donc on peut dire que la conclusion, c'est une reformulation de la thèse. Pour bien comprendre le texte, essayez de faire un effort et de trouver des réponses aux questions suivantes. La première question, quel est le thème abordé dans ce texte? Dans quelle partie ce thème est-il annoncé? Deuxième question, quelle est la thèse développée par l'auteur? Troisième question, combien d'arguments donne-t-il pour appuyer son point de vue? Cite-les. Quatrième question, recopiez les connecteurs qui introduisent chacun de ces arguments. Cinquième question, relève l'articulateur qui introduit la conclusion. Souligne d'un trait la phrase qui confirme la thèse développée et de deux traits celle qui récapitule les arguments. Vous avez 5 minutes, préparez le cahier d'essai et utilisez un crayon. Thank you.
Très bien, mes enfants, je sais que vous avez fait un effort pour trouver la réponse. Donc, on passe à la correction et essayez, mes chers élèves, de vérifier vos réponses. Premièrement, le thème abordé dans ce texte est la biodiversité. Ce thème est annoncé dans l'introduction. Donc, on peut identifier le thème en question dès le début dans la première phase, c'est-à-dire l'introduction. Deuxièmement, la thèse développée par l'auteur est la suivante. La biodiversité est vitale pour l'homme. Pour défendre la thèse, l'auteur utilise des arguments, exactement quatre arguments. Ce sont les suivants. Premièrement, elle est indispensable aux équilibres naturels. Deuxième argument, la biodiversité est l'avenir de l'alimentation. Troisièmement, la biodiversité sert aussi à la médecine. Et le dernier argument, les animaux et les plantes sont une source de loisirs. Pour classer les arguments et garder l'enchaînement des idées, l'auteur utilise des connecteurs ou bien des articulateurs d'énumération. Dans ce contexte, les connecteurs qui introduisent les arguments sont d'abord, de plus, aussi, par ailleurs. Et pour conclure le texte, l'auteur utilise l'articulateur en conclusion. C'est le connecteur ou bien l'articulateur qui introduit la conclusion. Et comme nous avons déjà vu dans les séances précédentes, dans ce dernier paragraphe, l'auteur réaffirme sa thèse. Dans ce texte, la phrase qui confirme la thèse est la suivante: il faut préserver la biodiversité. Et finalement, l'auteur a proposé une autre phrase qui récapitule les arguments. La phrase est la suivante: elle est indispensable pour l'homme dans les domaines de l'alimentation, de la santé et des loisirs. Passons maintenant à la troisième activité. Parmi les phrases ci-dessous, quelles sont celles qui justifient la thèse suivante? L'homme est une menace pour la nature. Nous avons proposé les arguments suivants. Il détruit les habitats des autres êtres vivants. Il ramasse le plastique jeté sur les plages. Il défriche la forêt tropicale. Il utilise les pesticides dans l'agriculture. Il utilise les sachets en papier qui sont dégradables. Mes chers élèves, essayez de bien concentrer et de choisir les arguments convenables et d'éliminer les arguments qui ne justifient pas la thèse proposée. Vous allez avoir 5 minutes pour travailler. Je vous attends et on revient avec la correction. Thank you.
On passe directement à la correction. Donc, nous avons la thèse suivante. L'homme est une menace pour la nature. Pour la justifier, on a gardé les trois arguments suivants. D'abord, il détruit les habitats des autres êtres vivants. Ensuite, il défriche la forêt tropicale. Enfin, il utilise les pesticides dans l'agriculture. Passons maintenant à la deuxième partie. Je dis toujours que c'est la partie la plus importante. Donc, nous allons voir comment comprendre et analyser une situation d'intégration. Donc, la situation d'intégration se compose de trois éléments très importants. Le contexte, la tâche et la consigne. Alors, je conseille tous les apprenants de la quatrième année moyenne de lire attentivement la situation d'intégration et de détecter en analysant les différentes parties de cette situation le thème en question. Il faut faire très attention au thème parce que si vous n'analysez pas bien, vous risquez de tomber dans un thème hors sujet. Suivez bien. Sous le slogan « Sauver nos forêts », le club de ton établissement lance une campagne de sensibilisation sur la nécessité de préserver les forêts. Consigne, rédige un court texte de 8 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras l'importance de la protection des forêts. Là, on va d'abord repérer les mots clés. Nous avons les expressions suivantes. Sauver nos forêts, une campagne de sensibilisation, préserver les forêts, donc, et on a le terme forêt, qui fait référence à l'environnement. Nous avons le mot expliquer, c'est le mot clé de la typologie textuelle en question, expliqué au service de l'argumentation. Là, vous allez rédiger un texte explicatif à visée argumentative. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rédiger un texte explicatif dans lequel tu expliques l'importance de la protection des forêts. Pour rédiger mon paragraphe, quelles sont les ressources à mobiliser? Tout d'abord, je dois mentionner un titre attirant. J'utilise les verbes d'opinion. J'introduis les arguments par des connecteurs d'énumération. J'utilise des exemples introduits par les outils d'exemplification. Et sans oublier l'organisation de la copie. Il faut laisser la ligne A et utiliser les signes de ponctuation. Après avoir analysé cette situation, il ne faut pas se mettre directement à la rédaction. Il faut élaborer un plan. Un plan qui va structurer notre argumentation. Et puis, il y a un ensemble d'interrogations qui doit être posé par les apprenants. Je vais rédiger quel type de texte? Explicatif, ou bien narratif, ou bien descriptif? De quoi je dois parler? De l'environnement, ou bien les sites touristiques, ou bien les forêts? Comment je vais argumenter? Quels sont les outils que je vais utiliser? Comment dois-je organiser mon écrit? Ces interrogations-là permettront aux apprenants de mieux maîtriser leur écrit. Vous avez 15 minutes pour travailler, utilisez le cahier d'essai et un crayon. Je vous attends et on revient avec la correction. Thank you.
Dans la présente diapositive, nous allons décortiquer ensemble un court texte explicatif à visée argumentative. Je l'ai proposé à titre indicatif. L'importance des forêts. Protéger la forêt, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. Mais malheureusement, ce trésor est dégradé par les incendies et par la déforestation. C'est pour cette raison qu'on doit agir rapidement pour sauver nos forêts, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la forêt est un espace de détente et d'activité sportive. Ensuite, elle fournit à l'homme le bois nécessaire à la fabrication du meuble, comme les chaises et les tables. Puis, la forêt lutte contre la pollution et protège le sol contre l'érosion provoquée par les vents et les pluies. C'est le cas de l'Amazonie. Enfin, l'écosystème forestier est le refuge de millions d'animaux, d'insectes et de plantes rares, tels que les singes et les oiseaux. En conclusion, je pense que la forêt est vraiment indispensable à la vie. Il faut donc la préserver. Si vous avez bien remarqué, le texte est vraiment bien détaillé. Nous avons utilisé pas mal d'outils. Nous commençons par le titre « L'importance des forêts ». Là, nous avons formulé le titre sous forme d'une phrase nominale. Nous avons respecté la structure d'un texte argumentatif, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Nous avons utilisé des arguments introduits par des connecteurs d'énumération, d'abord, ensuite, puis et enfin. Les arguments sont bien illustrés par des exemples. Et puis, nous avons l'emploi du présent de l'indicatif. Et finalement, nous avons utilisé un verbe d'opinion. Et pour cela, pour réussir votre production, je vous conseille de lire, de faire une documentation et de prendre des notes. Bon courage! شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.